Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, vous allez voir, un tour de magie sur la thématique de la triche. Vous allez pouvoir passer pour un expert en triche aux cartes, un tour vraiment très facile à faire et qui surprendra sûrement vos spectateurs. Comme d'habitude, la démonstration et le lien de la vidéo explicative se trouvent dans la description. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller faire un tour sur tutomagie.com, la seule école de magie gratuite en ligne sur internet. Pour apprendre les bases de la magie des cartes, de la magie des pièces, et le tout est accompagné de tours expliqués 100% gratuits. Merci à tous ceux qui me soutiennent via Tuto Magie Premium. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tour dans les commentaires. Et sur ce, je vous laisse avec la démo. Allez, c'est parti. Ça vous dit de voir une démonstration de triche avec un jeu de cartes? Alors sur le dessus, j'ai préparé en fait 3 valets, hein, juste ici, qu'on voit nettement. Et je vous fais une petite démo de donne en second, comme font les grands tricheurs. Je vous montre. On se distribue des cartes. Une pour vous, une pour moi. Une pour vous, une pour moi. Une pour vous, une pour moi. Là, normalement, en distribuant comme ceci, il devrait y avoir au moins un valet dans ce paquet et des valets dans celui-là. Mais croyez-le ou non, mais en faisant ça, je vous ai distribué les 3 valets. Vous avez rien vu, hein. On va le refaire, regardez bien. Les valets juste ici, on recommence. Une carte pour vous, une carte pour moi. Une carte pour vous, une carte pour moi. Une carte pour vous, une carte pour moi. Normalement, c'est net, hein. Ici, il devrait y avoir au moins un valet. Et ici, au moins un valet, hein. Et bien, ici, il y en a même 3. Et ouais, vous avez pas vu, pourtant, je suis très rapide. Je vous propose de faire encore mieux avec plus de cartes et plus lentement. Regardez bien. Une pour vous, une pour moi. Une pour vous, une pour moi, une pour vous, une pour moi, une pour vous, une pour moi. Logiquement, il devrait y avoir au moins 2 valets dans ce paquet et forcément 2 valets dans celui-ci, hein. Mais croyez-le ou non, juste en trichant, on est capable de vous distribuer en fait les 4 valets. Eh oui. Mais moi, comme j'aime jamais perdre à ce jeu, je ne me suis pas donné les valets, mais plutôt les 4 as. Au moins là, je suis sûr qu'avec un carré d'as, j'ai gagné.